Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Fallout 4. La dernière fois nous avons chassé le chasseur de l'institut ici, à comment s'appelle Green Tech Genetics. Et du coup on a récupéré quelque chose qui nous permettra d'aller voir plus tard l'institut du rail. Aujourd'hui je vais commencer donc par aller au niveau du marché de Diamond City pour vendre toutes les choses que l'on a récupérées lors de notre périple. Également, on va aller prendre un petit peu de repos parce que je crois que je suis fatigué. Enfin, surtout, je suis pas en très très bonne santé. Je vais également peut-être racheter des Steam Packs parce que il me semble que j'en ai plus qu'une quinzaine, ce qui peut être un petit peu juste sur des grosses missions. On va essayer de faire remonter un petit peu le nombre. Alors, on va commencer par vendre un peu tout ce que l'on a entre autres. Reginald, pardon. Voilà. Y'a rien à voir. Alors, bah, on va vendre ça au robot parce que y a que lui. Puis on ira dormir. Les marchandises concevables dont vous pourriez avoir besoin sont ici. Si nous ne les avons pas, c'est qu'elles sont inconcevables. Voyons ce que vous avez. Absolument tout. Alors, moi, je vais commencer déjà par vendre des armes que j'aurai en trop. Ça c'est bon, hop, un auto-laser pistolet avec 18 de dégâts, c'est pas tip top. On va revendre du coup celui de l'institut aussi. Alors au niveau des tenues, les tenues d'artilleur, un uniforme de chasseur, je garderai bien peut-être quand même. Alors, il va falloir des balles. Par contre, j'ai utilisé pas mal de balles dans cette. Hop, il y a 74 de 10 mm. Il y en a 20 en 308. Et il y a 68 à fusion. Ok, alors j'ai peut-être du bric-à-brac aussi à lui vendre. Voilà, comme ça, c'est nous qui récupérons de l'argent quand même. Piper, je vais récupérer tout ce que tu as sur toi. Parler. Ok, mais par contre tout ça on ira le vendre après t'aller dormir. On va commencer par aller passer la nuit dans la maison de Kellogg. Il me semble qu'il y a un lit où on peut dormir. Pour passer quelques heures aussi, ça va me permettre de récupérer. On va dormir 8 heures histoire de bien récupérer. Quelle merveilleuse nuit. Ok, ça c'est bon. On est reparti du coup. On va aller vendre tout ça. Normalement, vu qu'il va faire jour maintenant, on devrait avoir un peu plus de monde à qui on peut vendre. Si je pouvais vendre au médecin par exemple pour pouvoir récupérer des Steam Packs, ça pourrait être intéressant.
Ah, il pleut. Ok, tout le monde est là, je vais pouvoir lui vendre à lui. Ne traînons pas. Si vous voulez que je vous examine, commençons tout de suite. J'ai besoin de médicaments, docteur. Je pense que j'ai quelques steampacks en réserve. Très bien. Alors moi, je vais lui vendre ça, tout ça. On va mettre les armes directement, ça ira plus vite. Le lance-missile, valeur 223 à lui tout seul. Je vais le garder de côté. Alors, niveau Steampack, tu en as 10, on va te prendre les 10 du coup. Je vais également prendre les 3 eaux purifiées, et du coup je vais lui vendre au final lance-missile. Et voilà. Ça, ça va permettre d'avoir des steampacks en rab. Allez, on est parti. On a récupéré pas mal de munitions un peu partout sur toutes nos armes. En tout cas, sur toutes les armes que l'on utilise. Ah. Causer des ennuis, vous allez en avoir aussi. J'ai. Ouais, mais je comptais pas en causer. Qui a besoin d'une bonne coupe bon. De cheveux ? Tout le monde ! Ne soyez pas timide, okay. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, aujourd'hui, on va partir sur une mission. J'irai bien parler à Preston pour essayer d'aller récupérer le château des miliciens. Ça pourrait être temps de faire ça. Alors on va aller parler du coup à Preston du côté de Sanctuary. On se dirige vers Preston. Et c'est parti du coup, on va faire la route vers le château. On va voir où est-ce qu'il se situe sur la carte déjà. On va commencer par ça. Allez, nous voici à Sanctuary. Preston se situe par là-bas. Vous pensez qu'on est prêt à reprendre le château ? Oui, on est prêt. Ouais, bonne idée. On va partir en connaissance et on vous retrouvera devant le château. Alors, il va falloir retrouver les miliciens près du château. Je vais remettre mon armure quand même. Ok. Alors, le château, où est-ce qu'il se situe du coup ? Waouh ! J'ai rien à côté. Bah du coup on va partir de la fosse. Et puis bah, on va se diriger par là. C'est vrai qu'on n'est pas du tout allé dans ce coin là. Donc je sais pas trop ce qu'on va trouver. On va avoir un petit bout de chemin quand même à faire. Allez c'est parti, direction la fosse. Alors peut-être qu'aujourd'hui du coup on va simplement faire la route jusqu'au château et qu'on l'attaquera la prochaine fois. Parce que là on risque d'en avoir pour un petit moment déjà à faire la route, surtout que dans la ville on croise facilement du monde. C'est pas comme si on était dans les campagnes où on peut facilement esquiver les adversaires. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai fait le plein de munitions aussi. Je me doutais qu'on ne se serait pas à côté. Et que de toute façon, on risque de croiser quand même pas mal d'ennemis sur place. Et voilà. C'est
Ok, ils sont où? Bon, voilà pour eux. C'est à nous maintenant. Le Steam Pack, c'est ce qui m'intéresse surtout. Bref, maintenant que ça c'est fait. Ok, la mitraillette, par contre, j'ai plus beaucoup de munitions, j'aurais peut-être dû reprendre. Alors. On est là, il faut qu'on se dirige par là, il va falloir qu'on suive l'autoroute pendant un petit moment. Allez, c'est parti. Comme d'habitude en ville, j'essaye de faire assez attention quand même. Hop, voilà, là par exemple on a du monde. Dommage, j'ai un mutant qui m'a entendu. Wow, je l'ai pas vu. Ah, ça y est, on va avoir du monde. Des artilleurs. Nombreux par contre. Pas beaucoup avancé pourtant encore hein. Alors, je reprends seulement les munitions par contre. Bien, maintenant que ça c'est fait. Est-ce qu'on peut reprendre du coup notre chemin? On a un centre médical ici, mais ça je m'en fiche un petit peu pour le moment. On pourrait peut-être passer par là, là, pour rejoindre l'autoroute. Ce que je veux dire, si je regarde la carte, on n'a quasiment pas avancé. On ne nous a pas vu, donc on va le placer. Thank you.
Ok, on est sur le bon chemin. Bon, ça, ça va normalement. Ok, il y a des mutants là-bas, mais c'est pas trop grave parce qu'on va pas vers eux. Ah, quoique, s'il faut qu'on passe ce pont-là, il me semble, non? Ouais, faut qu'on passe là. Ah, forcément, on va se diriger vers les combats. Bon, bah on va aider les miliciens, hein, du coup, vu qu'on est là. Ok, j'ai une tourelle là-bas. Hop là, j'ai un pilleur légendaire, attention. Ouais, MK3. Je suis en train d'utiliser beaucoup de balles par contre. Ok pour elle. Alors, pourquoi il est jaune comme ça là? Bon, a priori ça y est, on a fait le clair. Grâce au chevalier ici. Oh bon sang, j'aurais jamais dû manger ce râteau, pas la broche. Excusez-moi. Ok. Bon, on va aller voir quand même ce qu'ils avaient, parce qu'on avait quand même un légendaire. Station Andrew découvert. C'était quoi ça? Mince. Ah, j'ai une voiture qui... ou un camion qui a explosé. %50 en plus contre les robots. C'est dommage de gâcher ça. Bah oui. Ah, où est-ce qu'on est nous? On avance, attention Andrew. Du coup, vu qu'on a nettoyé la zone, on va... Hop, deux steam pack, impeccable. Ça va nous permettre de refaire un petit stock.
Bon, ça, je suppose qu'on viendra peut-être plus tard ici pour faire quelque chose. Des cartouches, nickel. Allez, on reprend notre route, nous. On dirige toujours vers le château des miliciens. Projecteur par là, on va éviter de s'en approcher. Le poste de Boston Sud. Alors on continue notre route, mais je pense qu'on risque de croiser... Alors là il y a une bestiole, on va éviter. On va courir un petit peu, mais là-dedans on risque de croiser du monde aussi. Non, il n'y a pas de mutants par là? Repose en paix. Ah, il m'a fait peur le chien, je l'avais pas vu. Ok pour eux. Il y a une mine. Ok, alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir continuer d'avancer vers notre objectif. Le restaurant Gwinnett a été découvert. Je parie que tous les ivrognes du coin ont été déçus quand ils ont vu qu'il était vide. Ah oui, j'avais pas vu le tonneau, ok. Allez, on est plus qu'à 90 mètres de l'endroit que l'on doit atteindre. Ils sont avec nous ou pas? Allez pas me chercher. Non. Allez pas me chercher. La réponse est non. Boom. On va le rusher un peu. J'aurais pas dû faire ça. Carabine de combat, je prends.
Alors, j'ai vu qu'on est passé niveau 26. On va pouvoir avoir une nouvelle aptitude. On va aller voir ce qu'on va prendre. Hop là, pardon, erreur. Je cherchais juste à regarder un petit peu ce qu'il y avait. Les pistolets non automatiques, c'est ce que j'utilise, donc ça pourrait être intéressant d'avoir ça. On va prendre un peu de vitalité pour changer, pour avoir un petit peu plus de vie. Allez, on continue vers le château des miliciens. Il nous sera plus utile de toute façon. Ok. Alors, oh, on a une jolie vue sur la ville d'ici. Quand même. Ok, ils sont ici. Tout ce qu'il y a à prendre, hein. Si on me donne des choses. Bonjour, Preston. Salut. Tout le monde est là, général. Le voilà. Impressionnant, hein. Son vrai nom est Fort Indépendance. Mais les miliciens l'ont toujours appelé le château. Maintenant, vous comprenez pourquoi je voulais le reprendre. Pourquoi on a besoin de cet endroit, déjà? Pour l'émetteur radio, avant tout. Mais après quelques travaux, il pourrait aussi nous faire une base solide. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Mais quelques réparations ne lui feraient pas de mal. Je reconnais qu'il a connu des jours meilleurs. Mais les miliciens n'ont jamais eu peur du travail. Notre premier objectif est de nettoyer la cour. C'est là qu'on rencontrera le plus d'opposition. Le mur de ce côté est le plus exposé. Mais si on l'aborde par le sud, on pourra aussi atteindre l'entrée principale. Qu'est-ce qu'on attend? On fonce dans le tas et on liquide ces saloperies, c'est pas compliqué. Non! Si on se sépare, on pourra les attaquer des deux côtés. Ils seront complètement cernés. Et si on les laissait venir à nous? On établit une ligne de tir de ce côté, et vous, vous les attirez. Alors, général, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va tenter l'attaque en tenaille. Ça me semble plutôt... un peu plus intéressant. On va les attaquer par les côtés. Ok, on va se séparer. Vous pourrez rejoindre le groupe qui vous semblera avoir le plus besoin de soutien. Bon, tout le monde a entendu le général? Allons-y. Essayez de ne pas attirer leur attention avant qu'on soit en position. Pas de problème. Alors, bah écoutez, nous, on va attaquer la cour. Hein. On a encore un petit peu de temps. Je vais finir de fouiller ici pendant ce temps-là. Pendant qu'ils se mettent en position. Je voudrais pas les déranger. Ok, on en a deux ici. Nettoyer la cour, ok. On va passer de ce côté là, nous. Il y aura Preston de l'autre côté. C'est parti. Ça fait longtemps que les miliciens ont perdu ce bâtiment. Les années n'ont pas été tendres avec lui. Bon, bah c'est parti alors.
va aller voir rapidement ce qu'il y a dans la cour. Le château a été découvert du coup. Qui ? Ah, c'était comme ça, ok. Ok, un de moins déjà. J'ai dit vite, que je suis mal. Je suis mal. Meurs. Laisse-moi tranquille, toi. Ah, il y en a un autre juste là. Attendre qu'ils se lèvent pour aller. C'est là qu'on leur fait le plus mal, c'est quand ils se lèvent. Hop, ok, un de moins encore. Allez. Hop là. Je savais pas trop si c'était dangereux ou pas ça. Bon bah voilà, on a nettoyé la cour. Allez, vous-en. Hey, vous pouvez pas vous défouler autrement ? Alors, je suppose qu'il va falloir que j'attende. Il va y en avoir d'autres qui vont exploser encore. Là, ça bouge encore, là. J'explose tous les œufs. Ok. Ensuite, détruire les œufs. Donc c'était ce qu'on était en train de faire. Ouais, j'ai peut-être pas besoin d'utiliser des munitions du coup pour casser des œufs. Hein ? Si ça sort pas. Là. Ah mince, j'ai un milicien qui est mort. Pas que ça va lui manquer. Alors, objectif suivant. En fait, ça a l'air de se faire assez facilement pour l'instant. Ah, j'ai encore des œufs là-haut, ok.
Ah oui, j'en ai encore tout là. Ça bouge ça. Ouais, je me doutais. Quel gâchis. Non. Ok, j'ai vu qu'il y en avait encore là-haut. Je vois que j'en ai encore là-bas, donc on va continuer d'avancer sur... Ah mais il y en a partout des œufs en fait. Ça, ça... C'était quoi ça? C'est un truc qui a bougé là, non? La reine. Ah ah. Je sens que ça va nous sauter la figure, ça. Ah, wow, oui. Pourquoi tu te tournes vers moi forcément? Ah, ah, ah ouais, d'accord, ok. Bon, j'ai bien fait de sauvegarder juste avant. Allez, on reprend. C'est lui d'abord. Allez hop. Et je vais remonter. Parce que je sens que je suis plus à l'abri là-haut. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un petit... Oh, purée. Eh, hey, mais arrête, toi. D'accord, donc je suppose que je suis tout seul contre toi, maintenant. C'est quoi ce qui est balancé des radiations, ça, non? Où est-ce que vous sortez, vous? Aïe, 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 aïe. Non. Ah, je me doutais que ce serait compliqué. Ok, on va là de moi.
Voilà, je me prends des radiations. Bon. Ok pour eux. J'ai toujours elle à me faire, hein. Allez, on recourt, se remettre à l'abri. Fasten, j'ai besoin d'aide. Ah pardon, Fasten, désolé. Wow. Chou. Mince, je suis tombé. C'est précis ça. Je vais faire un critique. Allez, au prochain PA. Que critique, ça fait que ça. Bon. Non. Ah, j'ai vu qu'à le dernier moment. Je crois que je ferais mieux quasiment en fait de mettre la combinaison contre les radiations. On va faire ça. Ou alors la tenue de chasseur. La tenue de chasseur elle protège un peu contre les radiations, mais elle protège aussi contre les dégâts. On va essayer la tenue du chasseur. C'est parcourir. Où est-ce que tu sors, toi?
maintenant. Ok, un de moins. Il y a la raid qui me poursuit par contre. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un radaway pour éviter justement ça. Vite. Et je vais prendre aussi un... un bouffe out. Et you... Hop, le radix, pardon. Ok. Je me suis drogué, ça devrait être mieux. Qui est passée la reine, elle est là-bas. Tant qu'il reste loin, ça me dérange pas. Salut toi. Ah zut. Non, je peux passer par là. Ah, je suis obligé de refaire tout le tour. Ok, elle est en haut pour l'instant, donc je vais passer par là. Non, pas moi. Vite. Voilà, comme ça je reste hors d'atteinte. Allez, on l'a presque. Si bien que Preston ait trouvé un lance-flamme. Plus d'effet, je vais reprendre un tout de suite. Ah, tout ce qui me balance. Un coup critique, ça va lui faire un petit peu de mal là. Allez, bientôt morte.
Yes. Eh ben, on sauvegarde. Allez, hop. Je vais voir rapidement la reine. Ah bon, on va parler après celle de bas. Le général et moi, on va aller jeter un œil à la radio pour voir dans quel état elle est. Les autres, éliminez tous les œufs et tous les fangeux que vous verrez. Alors, c'est pas terminé, donc. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera cette mission. Ce qu'il reste du vieil émetteur. Ah bah attendez, il y a peut-être pas grand-chose à faire. Si c'est juste là. Qu'à l'allumer et on pourra émettre. Ah ouais, donc en gros il me faut un générateur quoi. Bon, si c'est juste ça qu'il me faut. Attendez, juste comment je le réactive déjà, je m'en rappelle plus. Plus qu'à l'allumer et on pourra émettre. Hop, je vais faire largement comme ça. Ok, il n'y a peut-être pas besoin d'un générateur, mais bon. Plus qu'à l'allumer et on pourra émettre. Bingo. Alors, on a trouvé un numéro de armes et munitions. Les armes balistiques infligent 5% de dégâts critiques supplémentaires. Nickel. L'émetteur radio sous tension, c'est pour ça que j'ai créé un générateur normalement. Ah, ça nécessite 10 d'électricité et ça, ça produit 3. Ah, bah voilà mon problème. Ok, recycler. Oui. Produit 5, donc il m'en faut 2 comme ça. Ah zut, j'ai plus assez d'acier. Mince, il va me manquer de l'acier. Alors, faut que je trouve des trucs à recycler. Hop, 6 d'acier, impeccable. 2 d'acier,
Ok, c'est bon. C'est fait. Preston. Personne ne va croire qu'on a vraiment tué ce machin. Merde, on a vraiment réussi. Moi qui vois les miliciens tomber en ruine depuis si longtemps, c'est... Ça fait vraiment quelque chose. Maintenant, il faut continuer ce qu'on a commencé. Remettre tout le Commonwealth d'aplomb, et que ça dure cette fois-ci. Les affaires reprennent, et maintenant que Radio Liberté est de nouveau sur les ondes, on pourra vous envoyer des alertes où que vous soyez. Ce qui me rappelle que j'ai un autre endroit où vous envoyer. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur. On a terminé. La raison du plus fort. Poser une valise radio pour prévenir les gens. On ne tardera pas à avoir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth, petit à petit. Ok, je vais juste aller voir du coup la reine là qu'on a tuée, s'il y a des choses à récupérer dessus quand même. On va en soigner quand même, on sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des cartes. Je vais prendre tout ce qui est là. Hein. Elle est pas jolie. Hey. Où ça? Non, je vais juste parler. Piper. Vous semblez avoir besoin d'un petit encart. Un avis sur la situation? Ça s'est plutôt bien passé finalement. Je veux dire, c'était quand même un chasseur. Plus qu'à trouver quelqu'un pour décoder cette puce. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous. Ça a l'air de vous préoccuper. Mais vous avez aucun souci à vous faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureuse. Je suis là, avec vous. Que demander de plus? C'était tout. Ok. Ok, bah ça va être tout pour nous aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a libéré le château des miliciens. On a tué la reine des fangeux. Fangeux. Voilà, la prochaine fois, je sais pas encore ce qu'on fera, mais on le fera. En tout cas, je vous donne rendez-vous donc prochainement pour la suite de l'aventure Fallout 4. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine.